Chers amis, ça fait un moment où on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Aujourd'hui, je voudrais prendre la parole pour dénoncer l'acte de lâcheté et de haute trahison du régime d'Azali Assoumani qui joue le régime du Collabo aux Comores en faisant le sale boulot au profit des intérêts de l'État français au sujet de la problématique de la question de l'occupation illégale de la France au niveau de l'île de Mayotte. Vous avez tous entendu que une Comorienne plutôt de Moïli, a été victime d'une balle tirée par les forces de l'armée comorienne, ce qu'on appelle les forces de la garde côtière, mais en fait, il s'agit tout simplement d'une force de collaboration qui est dirigée par les services de l'État français en juin et particulièrement sous les ordres et l'implication active du conseiller de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, monsieur Éric Panlou. Je le dis clairement, parce que c'est Monsieur Éric Panlou qui est à l'intérieur dans le cadre de la gestion de la protection des côtes de Mayotte au niveau d'Anjouan, et c'est lui qui dirige en quelque sorte officieusement la garde côtière au niveau d'Anjouan. Je condamne le silence de l'État comorien, la lâcheté du régime d'Azali, la lâcheté de l'opposition politique comorienne, qui ne s'est pas prononcée, à ma connaissance jusqu'à maintenant, pour condamner cet acte inadmissible que les forces politiques, les forces de l'armée comorienne tirent sur des Comoriens parce que ces Comoriens, ils étaient en déplacement dans le cadre de ces mouvements de déplacement vers l'île comorienne de Mayotte. Vous imaginez, c'est la première fois qu'on a atteint un degré de lâcheté à ce niveau. Et le silence de l'opposition comorienne et le silence de toutes celles et ceux qui ont occupé des grandes responsabilités dans l'État comorien, que ce soit des ministres des Affaires étrangères de l'époque, je ne parle pas du ministre des Affaires étrangères actuel, qui vit sous le chantage du gouvernement français parce qu'il a escroqué l'administration française dans le cadre des minima sociaux au niveau de la Réunion, mais du silence du ministère des Affaires étrangères et l'opprobre et la honte de l'ensemble des diplomates comoriens qui travaillent dans le ministère des Affaires étrangères et qui font acte de silence face à un acte d'une telle ampleur. C'est inadmissible qu'un État qui est reconnu par l'Organisation internationale de l'ONU, un État souverain composé de quatre îles, qui revendique, même si Azali le revendique par la bouche, mais ses actes de lâcheté jouent contre les intérêts de l'État comorien, commet un acte pareil, chose à laquelle même la puissance colonisatrice occupante qui est la France n'a jamais, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, tiré directement sur des embarcations de fortune, ce qu'on appelle les Kwassa. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité, un acte de lâcheté d'abord, mais il y a aussi une grande responsabilité de l'implication de la France dans cette stratégie mortifère qui se situe au niveau de l'océan Indien occidental et particulièrement sur ce bras de fer, de bras de mer qui est devenu l'un des plus grands cimetières du monde à cause d'une injustice qui est caractérisée par cette occupation illégale de la France et aussi l'instauration du visa criminel Balladur, qui est à l'origine de pratiquement 30 000 morts comoriens sur ce passage-là. Je demande, en mon nom personnel et au nom aussi de celles et de ceux qui partagent mes convictions, que les responsables en charge de la chaîne du commandement opérationnel de la protection des gardes côtières aux Comores répondent à leurs responsabilités devant les tribunaux comoriens. Je sais que nombreux parmi vous, vous savez la lâcheté de nos institutions judiciaires. Mais cela ne nous empêche pas de le dire haut et fort.
Ce n'est pas normal qu'on tire sur un Comorien, les forces comoriennes tirent sur un Comorien sous le prétexte parce qu'ils sont en train de garder les côtes de la région d'Anjouan pour éviter à ce qu'il ait des déplacements vers Mayotte, et voir que le parquet d'Anjouan n'ouvre pas une information judiciaire pour faire une clarification sur ce sujet. Et je demande aussi que l'État comorien nous clarifie la responsabilité de M. Éric Pandou. Jusqu'à preuve du contraire, officiellement, lui, il est le colonel conseiller de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, mais il joue plutôt le rôle des gouverneurs militaires au niveau d'Anjouan dans le cadre de la protection de la stratégie globale de ce qu'ils appellent la protection des mouvements migratoires, etc., etc. Donc il faudra qu'il ait une clarification sur ça. Parce que M. Éric Pandou, souvent même, il conduit, selon les informations que j'ai eues de la part des militaires comoriens, il conduit même des voitures estampillées AED des Comores. Certains le surnomment carrément un chef d'état-major particulier. C'est pour vous dire que l'État comorien, aujourd'hui, est dirigé ou se fait mener comme s'il s'agit d'une vulgaire colonie, et que certaines autorités d'un État partenaire qui est l'État français se comportent aux Comores comme si on est à l'époque du résident colonial, et tout le lot et le cortège de déshonneur que nos peuples d'Afrique et nos peuples comoriens, le peuple comorien, subissaient de la part de la puissance colonisatrice à cette époque-là. Donc nous demandons une clarification et nous tirons l'attention des médias qui veulent jouer la complicité pour essayer de servir un autre argument justifiant cet acte odieux, parce que je vous le dis aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État comorien et en collaboration avec les services de l'ambassade de France, ils sont en train de concocter une communication mortifère et mensongère pour essayer de manipuler les gens sur cette question-là. Les informations sont claires. Des témoins seront prêts à témoigner sur les réseaux pour dénoncer cet acte-là, parce qu'ils sont en train de manipuler, genre ils vont essayer de servir, il s'agit plutôt de ceci, il s'agit plutôt de cela. Non, et non, et non. Donc, c'est pour cela, et je le dis aujourd'hui maintenant, que le silence des ministres des Affaires étrangères comoriens vivant actuellement aux Comores est inadmissible. On a souvent vu certains ministres prendre la parole pour dénoncer des actes, et à juste titre, commis par des politiciens comoriens à l'endroit d'une catégorie de la population comorienne. Je prends le cas de Fanny Seydi Ibrahim, par exemple. Il avait pris la parole pour dénoncer des propos indignes qui ont été prononcés ou prêtés à Mouni Baraka Seyd Soali. Mais j'aurais aimé aujourd'hui aussi entendre Fanny Seydi Ibrahim en sa qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères comorien et un ministre qui est écouté aussi au niveau international, prendre la parole pour dénoncer cet acte-là, parce qu'il s'agit d'un acte odieux. C'est très important. On ne peut pas laisser passer ça. Cet acte est aussi ignoble et plus ignoble encore que d'autres actes qu'il a dénoncés et à juste titre. Et je l'encourage également de le faire aujourd'hui sur ce point-là. J'invite également M. Bolero, qui est responsable diplomatique, un conseiller diplomatique d'Azali, et l'ancien représentant des Comores dans la commission de l'océan Indien, de se prononcer sur cet acte-là. J'appelle également monsieur l'ambassadeur des Comores à Madagascar, monsieur Camille Achourtu, ancien premier ministre, qui a occupé une grande responsabilité au nom des Comores, en tant que secrétaire général de la commission de l'océan Indien, de se prononcer, même si ces gens-là sont dans le régime d'Azali aujourd'hui, mais au nom du peuple comorien, au nom de la dignité du peuple comorien, au nom de la souveraineté de l'État comorien, vous avez une grande responsabilité et vous avez le devoir de dénoncer un tel acte et de tels dérives. Ce n'est pas normal de laisser passer des actes pareils. À l'opposition comorienne, vous ne pouvez pas continuer à vouloir ou à réclamer ou à contester un régime parce que le seul et unique objectif qui vous préoccupe, ça serait d'aller vous poser là où le lâche d'Azali est assis. Vous avez un devoir et une obligation morale et politique et patriotique de dénoncer cet acte-là.
Parce que l'opposition politique comorienne a gardé dans son inconscience collective comme quoi personne ne peut arriver au pouvoir aux Comores sans la bénédiction de la France. Et de surcroît, ce silence parfois s'explique par cela. C'est pour cela que j'ai voulu clarifier cette situation-là et dénoncer gravement cet acte. J'appelle également à la démission ou au moins je demande au colonel Azad, s'il a un minimum de dignité, lui en sa qualité de responsable national de la garde côtière, de prendre ses responsabilités, de dire qu'il a failli en sa qualité de militaire comorien censé protéger le peuple comorien parce qu'il y a eu, cet acte-là a eu lieu dans son commandement. Je demande également à ce que la responsabilité de certains, des représentants aussi qui est au niveau d'Anjouan, parce que Azad il est au niveau national, mais il y a un représentant au niveau d'Anjouan en la personne d'un certain Chamsidine. Il faut aussi que ce Chamsidine s'explique, parce que c'est eux qui ont la chaîne de commandement au niveau d'Anjouan. On n'a aucune idée de qui, réellement, quel est le nom et le matricule de la personne qui a tiré, mais c'est la chaîne du commandement qui doit répondre à leurs responsabilités. Et nous demandons aussi, je demande également aux intellectuels comoriens de se prononcer et de cesser de faire preuve d'une lâcheté à chaque fois que le peuple comorien est victime des actes de cette nature. J'ai voulu, maintenant je vais juste répondre en si peu de minutes, au discours de Marine Le Pen à Mayotte. Vous avez vu, et là je m'adresse particulièrement aux Maorais. Les Maorais, mes chers frères Maorais et sœurs, Marine Le Pen vous prend comme ce que vous n'êtes pas. Elle est en train de vous raconter des salades en vous disant qu'elle est capable de faire ce que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas pu faire. Mitterrand n'a pas pu faire. Jacques Chirac n'a pas pu faire. Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire. François Hollande n'a pas pu également. Et Macron aujourd'hui n'est pas capable de le faire, c'est-à-dire la reconnaissance une reconnaissance de la francité de Mayotte, etc. Parce que tout simplement le droit international est du côté des Comores et que ni Marine Le Pen, ni qui que ce soit ne peut faire bouger quoi que ce soit si ce n'est par acte de lâcheté de l'autre côté des Comores. Si jamais il y a des gens de la trempe d'Azali qui peuvent peut-être aller encore plus loin sur ce niveau-là. Mais je voudrais dire aux Maorais que Marine Le Pen vous prend comme des je sais pas quoi. Mais elle est en train de vous expliquer qu'elle est capable de changer le droit international. Elle est capable de vous démontrer que Mayotte sera française, mais elle est incapable d'exiger au sein de son propre parti qu'on désigne un Maoré à une place éligible dans la liste de son parti au niveau des élections européennes. Là, rien que ça, ça vous démontre la malhonnêteté de cette personne, son indignité et surtout quel est le mépris qu'il affiche vis-à-vis des Maorais. Mais il peut venir vous dire qu'il adore Mayotte et danser dans un mal déchaîné et pendant qu'on est en train de crier « La ilaha illallah, la ilaha illallah » parce qu'elle adore l'islam au niveau de quand c'est au sud, mais quand elle est au nord, elle le déteste à mort. Ça, c'est pour cela que je vous dis, pour ce qui est de Marine Le Pen, j'aurai l'occasion, parce que cette année, le 25 avril, c'est la date de la triste vente de Henri Anansouli en 1841, c'était la date du 25 avril. En collaboration avec le média, votre média Al-Comoria, nous allons organiser une grande conférence au sujet de cette question de Mayotte et j'aurai l'occasion de répondre à beaucoup de questions que le média Al-Comoria a collectées suite à des interrogations que certains Maorais me pose dans le cadre de mes interventions ici et là, et moi j'aurai l'occasion de répondre à toutes ces questions. Et j'aurai aussi l'occasion de revenir sur cette question de Marine Le Pen, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas me traîner là-dessus, mais c'était juste, j'ai voulu dire un peu à Marine Le Pen par rapport à cette situation qu'il s'agit tout simplement d'une manipulation et il prend les Maorais comme je ne sais pas quoi, parce qu'à aucun moment les Maorais, si réellement il y a un Maorais qui se pose et commencent à s'interroger sur l'attitude de Marine Le Pen, quand Marine Le Pen leur dit non, on ne peut pas désigner un Maoré sur une position éligible dans le cadre de la liste, dans la liste des élections européennes de son parti, mais au même moment, et symétriquement, elle est en train de vous raconter des salades comme quoi elle est capable de faire avaliser la question de Mayotte, etc., etc. Faut arrêter. Et sur ce qui est de sa décision en disant qu'elle va demander
au parti AFD de revoir sa copie parce que la présidente de son parti facho, un parti allié facho de l'Allemagne, a dit qu'il faut rendre Mayotte à l'archipel de l'Union des Comores. Marine Le Pen a non seulement dénoncé ces propos-là, dans le cadre d'une interview qui a d'ailleurs été très bien menée par Anastasia Laguera sur Mayotte Première, Marine Le Pen a dit clairement qu'il va demander des explications, mais si jamais cette position n'est pas retirée, il serait prêt à couper les liens avec ce parti. J'ai pris mes responsabilités et j'ai écrit ce matin à l'adresse du parti. J'ai fait un recommandé à l'adresse du parti pour retracer exactement la traduction de ce que Marine Le Pen a fait. J'ai demandé les services d'un ami qui est germanophone pour me faire la traduction. J'ai pas voulu passer par Google pour me faire la traduction de cette lettre que j'ai envoyée avec la collaboration de certains médias pour demander à ce que l'AFD réagisse par rapport à ce que Marine Le Pen a dit. Parce que au niveau de la JDD ici en France, lorsqu'on lui a posé la question, elle a répondu juste que l'AFD n'a qu'à revoir à s'occuper de ses propres affaires. Mais au niveau de Mayotte là-bas, il est allé encore plus loin pour dire clairement que si l'AFD ne retire pas ses propos, alors on ira vers une rupture. C'est pour cela que j'ai dévancé pour saisir l'AFD et leur demander de donner une clarification pour voir jusqu'à quel niveau Marine Le Pen est déterminée à rompre avec ses amis fachos de l'autre côté de l'Allemagne, puisque le parti de Marine Le Pen, c'est le parti facho, et avec les liens de l'autre parti facho. Mais comme il est en train de séduire l'électorat maorais, elle peut vous faire comprendre qu'elle est plus musulmane que Zenamder et Meresi et Mouchla, mais au même moment, quand elle est ici, elle est plus... Elle peut faire preuve d'une haine viscérale contre les musulmans parce que ça fait partie de l'ADN de son parti facho qui est ici. Et à la JDD, je voudrais juste répondre ceci. Le journal JDD a une émission où il publie des articles en disant qu'il fait une anti-sèche. Genre, il explique aux gens qu'est-ce que c'est que Mayotte et tout ça. Je vais dire aux journalistes de JDD, si vous n'avez rien à faire de votre temps, il vaut mieux la boucler parce que ça sert à rien de raconter des salades dans vos textes alors qu'il s'agit de parler d'un sujet très sérieux. Vous êtes en train de nous expliquer que Mayotte a voté à tel moment, ou etc., etc. Mais Mayotte a voté quoi? Le 22 décembre 1974, la question qui a été posée ce jour-là, c'était « Souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ?» 94,56% de la population comorienne a répondu « Oui ». Et de l'autre côté de Mayotte, il y a eu 65% qui a dit « Non ». Mais on était dans un référendum. Et ce qui fait que la France a voulu introduire une nouvelle loi le 3 juillet 1975 pour demander cette fois-ci à ce que chaque île se prononce selon son destin particulier, et les Comores ont dit non, et les Comores, 3 jours plus tard, le 6 juillet 1975, les Comores ont déclaré leur indépendance. Vous avez publié un article qui dit que vous expliquez aux Comoriens, à l'ensemble de la communauté et de vos lecteurs, ce qui se passe du côté de Mayotte, mais vous avez omis de dire que Mayotte fait partie de l'État qui s'appelle les Comores, et vous expliquez que Mayotte se trouve à 190 km de la Grande Comore, mais vous ne dites pas que Mayotte se trouve à 70 km d'Anjouan. Et vous ne dites pas que le 12 novembre 1975, les Comores sont reconnus au niveau des Nations Unies en tant que nation, indépendante, oui, en tant que nation indépendante composée de 4 îles, et parmi ces îles-là, Mayotte fait partie. Je reviendrai sur cette question pour mettre en pièce le JDD dans son mensonge, parce qu'on ne laissera pas, l'État comorien peut laisser dans sa lâcheté. Toutes ces choses-là, l'État comorien peut vous laisser faire. Mais nous, en tant qu'enfants comoriens, on ne laissera jamais, en tant qu'intellectuel comorien, historien comorien, on ne laissera jamais un média français raconter des salades. On répondra toujours comme on le fait avec Le Monde. On a déjà fait un droit de réponse, qui n'ont pas eu le courage de réagir. Et avec le JDD, on le fera comme on l'a fait avec Étienne Hénart. On ne laissera jamais ce mensonge prendre place sans réaction. L'État comorien, dans sa lâcheté, avec le régime qui est là, peut continuer à ne pas réagir, mais quant à nous, on réagira. Rendez-vous le 25 avril sur une grande conférence avec la collaboration d'Alcomoria au sujet de la question de Mayotte et l'ensemble des questions que les Maoris posent au camp comorien. Je serai heureux de répondre. Et si éventuellement, il y a un Maoris qui se sent, qui est disponible pour échanger avec moi dans le cadre de cette conférence-là, le média Alcomorien est disposé à l'accueillir pour que cet échange soit le plus animé possible. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa la'afamikum wa jazakumullahu khayra asanta.